Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes, chapitre 16. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi, oui, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Pasteur, donne-moi. Apôtre, donne-moi l'ancien évangile. Oui, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Voulons te dire merci, notre Père, pour cette grâce et le privilège de nous tenir encore une fois dans ta maison, notre Sauveur. Merci pour ce jour que tu nous as encore donné, mon Sauveur béni, où nous pouvons encore avoir cette joie de pouvoir être là pour chanter les chants de Sion pour ta gloire. Tu nous as réellement préservés contre beaucoup de dangers et les maux, mon Sauveur. Tu as réellement aussi permis de garder nos pas jusqu'à ce que nous soyons dans ces lieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te remercions, non seulement pour nos perturbations, tu l'as fait, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui nous sont aussi chers, nos familles aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu les as aussi gardés paix. Louange et honneur à toi encore pour cet amour béni que tu ne cesses de pouvoir nous témoigner tous les jours de notre vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi en retour, nous voulons te dire merci. Merci du plus profond de notre cœur, au Dieu du ciel, pour cet amour que tu nous témoignes au travers des uns comme des autres, bien-aimé Père Saint-Dieu. La joie va appartenir à Christ notre Seigneur et être réellement aussi l'un d'eux de son peuple, mon bien-aimé Père du sang, et les marchands de ce monde en raison que tu es réellement vivant, notre Dieu. Sois béni encore ce soir, mon Père Saint-Dieu, de ce que nous inspire encore les chants et les cantiques encore pour te chanter, mon bien-aimé. Merci encore pour le soutien et le secours. Merci encore pour le pardon que nous avons accordé, bien-aimé Père du sang.
Tibissant. Merci encore pour la joie et l'allégresse dans le cœur, mon bien-aimé Père Tibissant. Merci, Père Saint-Dieu, pour ta présence aussi parmi nos pères. Nous pensons aussi à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi en connexion. Nous prions pour eux, bien-aimé Père Saint-Dieu, afin que là où ils sont, qu'ils soient aussi bénis et soutenus aussi et fortifiés aussi davantage, mon roi. Merci encore pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit glorifié et exalté. Que le Seigneur vous bénisse pour aussi votre présence ce soir. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour les soutiens et les secours qui ne cessent de pouvoir nous apporter. Et comme aussi, nous pouvons aussi réaliser, le Seigneur, notre Dieu, n'abandonne pas, il n'abandonnera jamais ceux-là qui s'est choisi lui-même. Et nous le remercions aussi de ce qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours de notre vie. Et ça, c'est vraiment un privilège que nous avons devant la face de ces dieux très hauts. La Bible dit qu'il dit et la chose arrive, et quand il ordonne, cela aussi existe. Nous croyons que quand il dit quelque chose, il le fait. Et cela est quelque chose de merveilleux de voir que il veille toujours sur sa parole et constamment il a les yeux fixés sur ceux qui sont à lui. Et là, dans le psaume chapitre 16, je crois que c'est le verset 10. Et dans votre version, c'est écrit comment? Je pense que vous avez la même version. Dans ma version, il est écrit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort ». C'est comme cela? Tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Mais dans la version que nous avons ici, je pense que celle-ci, il dit ici, car tu n'abandonneras point mon âme dans les sépulcres. Nous remercions Dieu. Hein? Il ne peut pas nous abandonner. C'est vrai que nous pouvons descendre, mais il ne pourra pas nous abandonner. Nous le remercions pour ce qu'il fait. C'est cela aussi. Là, la reconnaissance que nous devons avoir auprès de ces sauveurs, de ces dieux, merveilleux quand nous pouvons lire les Saintes Écritures. Et de là aussi, nous voyons aussi la fidélité de ces dieux. Cela nous fortifie à nous aussi qui sommes des croyants. Et cela aussi nous encourage aussi davantage. Ce verset que nous venons de lire est un verset qui est vraiment aussi important. Et je crois que les saints et les prophètes ici sont référés, et lui-même, le maître aussi, ici aussi référé, parce que il a un poids profond en réalité, ce verset. Je pense que dans les scènes d'écriture, lorsque le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples étaient donc rassemblés dans la chambre haute, selon les instructions que le maître leur avait données, effectivement aussi, en leur disant que de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre jusqu'à ce que la promesse qui avait été faite, effectivement, cela aussi soit accompli. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il a aussi, quand il appelle, il donne aussi la grâce d'avoir aussi l'obéissance. Parce que quand il leur a dit attendez, ils devaient attendre. Ils ne pouvaient pas courir, effectivement. Notre problème à nous, c'est d'abord l'impatience, en fait. C'est que Dieu veut que nous puissions être patients. Et parce que c'est dans la patience, effectivement, aussi que Dieu, notre Seigneur, accomplit aussi, en fait, son œuvre au travers de celui qui croit aussi. Ainsi donc, nous voyons qu'ils sont donc allés donc dans la chambre haute et ils attendaient, effectivement, ils étaient donc dans l'attente, dans l'expectative de quelque chose qui allait donc se passer. Ils étaient dans une attitude tout à fait particulière que nous voyons, que nous pouvons réaliser que c'était une très bonne attitude, effectivement. Je crois que c'est dans les Actes au chapitre 1 où l'Écriture nous fait part de cela, en nous montrant comment ils étaient ces jours-là et de quelle manière aussi ils se sont tenus selon les instructions, l'ordre que le Seigneur leur avait donc donné. Actes au chapitre 1, je pense que c'est cela, et il nous dit ici, je suppose que c'est ça, oui voilà, Actes au chapitre 1, voilà, je pense que, voilà, verset 3 je pense,
Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce que en ce temps-là, que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre volonté d'autorité, pardon, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusque aux extrémités de la terre. Amen. Alors, écoutez bien, je pense que cela, lorsqu'il s'est donc resté effectivement comme cela, en train de pouvoir le regarder, vous connaissez la suite effectivement, et alors il retournera là-bas. Alors la Bible dit ici, toujours au chapitre 1, je pense que c'est cela, verset 12, je pense. Il dit, alors ils retournèrent donc à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est donc auprès de Jérusalem, à l'issance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était donc Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Philippe, d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les autres, avec les frères de Jésus. Amen. Nous voyons qu'il n'était pas resté là à attendre, en train de jouer d'abord au jeu des dames. Vous connaissez le jeu des dames, pour faire passer le temps, au jeu des cartes, effectivement, pour arriver à pouvoir faire. Vous savez, la plupart du temps, ça, c'est quand même important que vous puissiez le voir, savoir. La plupart du temps, les gens ont tendance à pouvoir jouer au jeu comme le jeu de cartes. Vous avez ces jeux-là, effectivement. Pour les croyants, c'est pas une bonne chose. Même si vous avez l'habitude de pouvoir le faire, il faut arrêter. Ces choses-là, ce sont des choses, effectivement, qui ont attrait, effectivement, à des choses ésotériques, à des choses qui sont attachées effectivement à des démons. Et bien, vous voulez passer un temps, vous pouvez parler avec des frères, ça, effectivement. Quand tu vas pouvoir faire ce genre de choses effectivement avec les cartes comme dans le monde, effectivement, ne les faites pas, ne les touche pas. Ça c'est vraiment un conseil. Si vous pouvez, oui, c'est une chose qu'il faut pas. D'ailleurs, vous savez que dans le monde effectivement aussi, lorsque les diseurs de bonne aventure, ils aiment toujours avoir les cartes, hein, tirer une carte ici, donc vous savez que ça a à voir effectivement à cela effectivement aussi. Donc lorsqu'ils étaient donc là dans cette attente là, leur pensée n'était pas à pouvoir voltiger à gauche et à droite, mais étaient dans une condition telle que ils se maintenaient dans cette atmosphère bénie parce que la promesse leur avait été faite. Ils étaient donc concernés par la promesse. Évidemment aussi que, étant concernés par la promesse, effectivement aussi, votre homme spirituel, effectivement aussi, il est conditionné par cela aussi. Et il ne va pas commencer à jouer au billard à gauche et à droite. Non, il reste dans une condition telle que la chose qui avait été promise pour qu'il trouve vraiment si son accomplissement, qu'il soit dans cette condition qu'il fallait, c'est-à-dire dans la prière. Donc ils attendaient effectivement dans cet endroit. Bien sûr qu'ils pouvaient manger, mais quand même la prière était un moment aussi important pour eux parce que ils se maintenaient dans cette présence-là parce qu'ils attendaient quelque chose. Et tout ce qu'ils étaient en eux, effectivement, était conditionné par là. C'est aussi la même chose aussi que nous pouvons aussi voir, parce que là, le Seigneur leur avait fait la promesse, à nous aussi, il nous a fait la promesse. Je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes dans l'attente, effectivement, et aussi étaient dans l'attente. Et nous aussi, effectivement, nous sommes dans l'attente de quelque chose de tellement si grand. Et là, le Seigneur leur avait fait savoir à quel endroit ils devaient aller. C'était pas en Samarie, ou peut-être, je sais pas moi, dans une autre ville, effectivement, où ils pouvaient aller, ou quelque part comme ça, dans la Bethléem. Non, c'était donc à Jérusalem. Donc, le lieu que le Seigneur avait choisi pour le visiter. Donc, chacun d'eux devait se trouver à cet endroit-là. Pas ailleurs, où tu vois les pères, effectivement, que bon, non, pas ailleurs, mais là, il dit, à Jérusalem, c'est là que Dieu voulait. Et c'est aussi la même chose aussi pour nous, pour que nous puissions. Vous savez que le Seigneur ne change pas sa façon de faire les choses. Et c'est ainsi que lorsqu'il dit quelque chose qu'il a fait, il le fera encore davantage. Vous remarquez aussi, frères et sœurs, que au temps de Noé, il avait pourvu un endroit pour que ceux qui avaient cru puissent être cachés quelque part et protégés, n'est-ce pas?
mais aussi dans chaque temps, il faut toujours qu'il y ait un endroit où Dieu veut qu'effectivement que ce... Regardez bien, Moïse, quand il est venu en Égypte, effectivement, il fallait que les Israéliens soient quelque part rassemblés et mettant un signe, effectivement, sur l'entour. Donc toujours, c'est la façon de Dieu d'agir qu'on doit comprendre. Donc effectivement aussi, en nous aussi, Dieu nous a aussi parlé. Et voyez-vous que quand Dieu leur a parlé, ils étaient vraiment concernés, c'était à eux, c'était pour eux que Dieu avait parlé. Donc vous voyez que l'attitude qu'ils avaient effectivement était conditionnée par la promesse qu'il devait s'accomplir pour eux. Donc c'était quoi? Dans la prière, effectivement, on ne veut pas faire autre chose. Mais toi aussi et moi, si Dieu nous a fait une promesse, d'abord elle concerne quoi? Et pourquoi, effectivement, il nous a fait, effectivement. Donc, si ça nous concerne, cette promesse, effectivement, on est conditionné à être dans la position dans laquelle le Seigneur veut que nous soyons pour que cela puisse s'accomplir. Donc, eux, c'était à Jérusalem, ils se trouvaient pour ce moment-là. Mais toi, tu dois te trouver où c'est? Ça veut dire que si tu es donc prédestiné, que Dieu te bénisse, tu es prédestiné pour cela, ton intérieur à toi va se conditionner, soupirer, c'est-à-dire qu'il va se faire violence dans tout. Jusqu'à ce qu'il soit à l'endroit que Dieu a dit que tu dois être pour agir pour toi. C'est ça, mon frère et ma soeur. Or, le monde a tellement multiplié beaucoup de distractions. Ah, évidemment. Et on leur avait dit, mais allez dans la chambre haute. Ils sont partis là. Alors, ils se sont mis là ensemble, effectivement. Et ils étaient d'un commun accord. Il n'y avait pas de distraction parmi eux. Mais ils avaient ce désir ensemble parce que Dieu voulait les bâtir du feu là, à cet endroit. Pas de distraction à l'extérieur, pas de... Non, mais là, dans la prière. Mais toi et moi, dans quelles conditions nous nous trouvons, effectivement? Oui, parce que la promesse que nous avons reçue de la part du Seigneur, elle est tellement grande. Et cela doit effectivement aussi s'accomplir. S'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur, je ne sais le répéter, je ne sais pas, vous savez, nous ne savons pas quel jour ça peut arriver que nous puissions partir. Mais je vous ai toujours dit, je vous en supplie, prêtez attention. Parce que mon frère et ma soeur, ratez Jésus-Christ dans sa parole, effectivement, et ce jour-là, vous serez les plus malheureux. Parce qu'il n'y a pas de bonheur dans ce que vous faites sur la terre. Que ce soit l'argent, que ce soit vos maisons, que ce soit vos biens, que ce soit votre beauté, et tout ceci, cela. Toutes ces choses-là, vous allez pleurer. Parce que vous ne réalisez pas, c'est parce qu'on est là ensemble, ça passe normalement. Mais la Bible dit que le ciel et la terre passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Il n'y a rien qui va rester, mon frère et ma soeur. Ce n'est que des larmes et des ceci et de cela. Dieu ne ment jamais. Quand il a déclaré cela ainsi, il va bien veiller parce qu'il aime être honoré. Il veillera très bien sur sa parole. Regardez aujourd'hui, le monde est dans la débandade. On prend des mesures aujourd'hui, demain on change, et puis on revient encore, et puis on augmente encore. On ne sait plus très bien ce qu'il faut faire. On enferme, on ouvre, et puis on enferme, et puis on muselle, et puis on ne sait plus rien faire. Ça veut dire que les hommes se sont tellement montés en se disant que oui, nous allons montrer que c'est moi qui tout vient par l'homme. Effectivement, si c'est le libre, la nature leur montre, bon, je vais vous montrer maintenant que tout vient par l'homme. Alors contrôlez maintenant la nature. Lorsque les tsunamis viennent, lorsque les typhons viennent, effectivement, qui va contrôler tout ça? Il n'y a aucune science humaine qui peut contrôler cela. Voyez-vous, ce que nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, c'est que dans un temps aussi où les ténèbres couvrent tellement, les gens sont tellement vraiment aveuglés profondément, et alors la distraction, elle a encore augmenté encore davantage. Les diables, vous savez, quand le Seigneur l'a appelé malin, il est vraiment rusé. Il ne va pas te montrer que ça c'est le mal. Non, il va bien envelopper cela. Il va bien enrober cela, mais c'est la vérité. Et vous allez même trouver que c'est normal. Mais non, mais il faut que Dieu te dise, oh non. C'est pas normal. Mais parce qu'il vous a tellement mis dans les habitudes, effectivement, vous trouvez, non, pourquoi c'est mal? Non, c'est pas normal. Si le Saint-Esprit n'agit pas pour nous, nous étions sur ce nombre-là. Mais là, il fallait qu'un frère se commence à faire. Mais le Saint-Esprit dit, mais regarde bien. C'est pas normal ça. Je dis, oh, mais c'est vrai, Seigneur, c'est pas normal. Oui. Mais autrement, tous ensemble, nous sommes dans la même bain.
Il faut vraiment trouver la grâce de Dieu, que le Seigneur maintenant puisse maintenant te parler, effectivement, te montrer. Par exemple, le jeu des cartes de ceci et cela. Je sais que le Seigneur m'a montré. J'ai vu combien, c'est la vérité, frère. Moi, j'ai vu comment les démons étaient avec les cartes en main. Oui, je l'ai vu, je le sais. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas entendre cela parce qu'ils disent, ouais, les cartes, ceci, ce n'est rien, c'est un petit jeu. Non! Satan est derrière là. Bien sûr, mon frère, bien sûr, ma soeur. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous voyez bien, les voyants, les cartomanciens, tout ça, ils ont toujours des cartes. Les magiciens, qu'est-ce qu'ils font développer? Les cartes. Ce n'est pas comme aveuglé, frère, ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas pour les chrétiens. Faites autre chose, mais pas ça. Ah oui, c'est nécessaire, frères et sœurs, que nous comprenions que les diables, Satan, il est vraiment malin. Quand on dit malin, c'est qu'il est vraiment rusé. Son problème à lui, c'est pas les autres, mais c'est vous. Bien sûr, parce que les autres sont dans le même engouement que lui. Alors évidemment, mais il vise effectivement de ceux-là qui veulent s'échapper d'une certaine manière ou d'une autre. Parce qu'il veut contrôler toute chose. Alors, nous revenons dans ce que dit là. Voyez-vous que leur attitude était tout à fait différente. Et effectivement, que j'espère que vous comprenez que, en fait, ceux qui avaient reçu, c'est pour ceux-là que le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi parler, ceux qui l'ont reçu, hein, ceux qui avaient reçu cette semence, parce que vous savez que le Saint-Esprit vient pour vivifier effectivement ce que Dieu a placé. Donc, c'est sûr et certain, il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu dedans pour que l'Esprit du Seigneur vienne. Donc, c'est cela, effectivement. Donc, ils avaient reçu pas autre chose, mais la vérité. Ils avaient cru à la vérité, ils avaient reçu la parole de Dieu, parce que leur foi était tellement si fortifiée qu'ils l'ont vu mourir. Et c'est cela ce que nous disons tout à l'heure, effectivement, dans le psaume 16, qui nous avait été lu, effectivement, en disant que ce verset était tellement, un verset tellement important, qu'il avait un poids, parce que vous remarquerez que le jour de la Pentecôte, quand ils sont restés, effectivement, dans l'obéissance que le maître avait dit, et dans le moindre détail, frères et sœurs, ils n'ont pas suivi un homme, ils ont suivi les instructions du maître lui-même. Il leur a dit cela. C'est cela là où notre foi doit se baser, en fait. Et ils ont fait ce qu'il avait demandé, effectivement. Et l'Esprit du Seigneur suivait la parole. Il conditionnait aussi. Les gens disaient, effectivement, que si le Saint-Esprit n'agit pas pour nous, frères et sœurs, nous serons comme tout le monde. On fera exactement la même chose que les dénominations, ceci et cela, sans se rendre compte, croyant que ce que nous faisons, c'est de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit mette un frein quelque part. Alors là, nous disons, mais Seigneur, c'est pas possible. Vous savez, lorsqu'il avait dit qu'effectivement, que voilà, que lorsque vous verrez Jérusalem investi, vous vous souvenez? Il dit à ce moment-là, fouillez. Mais vous savez très bien que l'armée rentrée, nous en avons parlé ici. Tout le peuple, tous les Israéliens qui étaient là, effectivement, ils voyaient que c'était tout à fait normal. Et mais regardez une chose qui s'est passée, c'est quoi? Les apôtres, les disciples, effectivement, tous ceux-là étaient quand même tous comme tous les autres. Ils voyaient toujours aussi l'armée qui rentrait. Mais qu'est-ce qui s'est passé que eux puissent arriver à pouvoir se dire que non, quelque chose va se passer? C'était pas eux, c'était le Saint-Esprit. Ah oui, c'est ça, frères et sœurs, quand vous vous prêtez attention, quand vous prêtez vous attention à la parole de Dieu. Il faut que vous compreniez, quand on dit cela, c'est la parole du Seigneur. Et que vous la croyez, vous ne la discutez pas, vous ne la murmurez pas, vous la croyez et qu'elle descend en vous. Soyez certains que les yeux du Seigneur sont sur vous. Amen. Dieu ne peut pas faire quelque chose en dehors de sa parole. Il a dit à Jérémie, vous connaissez bien ça même par cœur, que vois-tu, il dit, mais je vois, il dit, mais tu as bien vu parce que moi je veille sur ma parole. Il ne va pas veiller sur votre interprétation. Il ne va pas veiller sur votre imagination, ce que vous voulez, mais il va veiller sur sa parole. Donc, si vous la croyez, que vous la recevez, frère et sœur, vous mourrez tranquille. Mais la seule chose qu'il faut être sûr, c'est ce qu'il y a en vous, ça soit de Dieu. Pas un mélange avec votre pensée, votre dire, moi je pense que, et puis moi j'estime que non, même si ça ne me convient pas, mais je dis, mais si Dieu l'a dit, même si ce n'est pas, comme on dit, effectivement, à ma condition à moi, mais si Dieu l'a dit, moi ce qui m'intéresse, c'est que ça soit Dieu. Amen. Si Dieu a dit que c'est ça, c'est ce que je dois faire, peu importe ce que le monde peut penser, je le ferai. Amen.
C'est ça en fait qu'il faut. Il faut arriver à ce point-là. Alors eux, c'est comme ça qu'ils étaient. Le Seigneur leur a dit effectivement ce qu'ils devaient faire. Et puis ils ont entendu effectivement que, et vous serez mes témoins. Parce que comment veux-tu être témoin de ce que tu n'as pas vu, tu n'as pas touché, tu n'as pas toi-même expérimenté? Il leur a dit, quand vous aurez l'Esprit, donc le baptême du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Vous direz que ce qu'il a vécu, nous le vivons. Donc c'est Jésus-là, il est vivant. Mais c'est vrai. Parce que le miracle, le Seigneur Jésus a fait, les disciples l'ont fait. Il a fait marcher les paralytiques, il dit, mais Pierre aussi a fait la même chose. Talitha Koumi. Le Seigneur l'a dit, Pierre l'a dit aussi. Donc, bien sûr, c'est-à-dire que ces hommes ont été conditionnés, ils ont, parce qu'ils avaient le maître, maintenant l'Esprit dans le maître était en eux, la force était là. Donc, les gens pouvaient voir que non, non seulement ils parlent de ce Jésus, mais on voit que ce Jésus agit en eux. Les gens voyaient cela. Alors, le jour de Pentecôte, effectivement, comme ils étaient aussi conditionnés, obéissants, qu'ils sont restés dans la prière, comme la Bible, comme l'Esprit aussi le voulait, comme le Seigneur voulait qu'il soit, effectivement. Alors, le Saint-Esprit est venu. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, et les frères, et les sœurs. La Bible l'a dit ici, hein. Et tous parlaient en langue. Les frères, comme les sœurs. Ah, ben oui, c'est ce qu'il dit, hein. Tous en langue, effectivement, ainsi. Donc les gens qui étaient venus effectivement ces jours-là, ils étaient tellement touchés, étonnés de voir que, oh là 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 là, d'abord on voit les gens qui sont tellement, vous savez, on était habitués à des réunions, des sadducéens, vous voyez, avec de l'ordre dans ceci et cela, mais on voit les gens qui sont tellement dans une liberté. Ils criaient, ils n'avaient même pas peur que les gens puissent les voir, comment ils étaient, parce qu'on a même dit qu'ils étaient ivres, effectivement. Ils ne s'en occupaient même pas. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On pensait que c'était des gens qui étaient venus, mais on voit la vie dans ces gens. C'est ce que nous voulons. Amen. Pas la théorie, mais la vie, mon frère. Amen. Amen. Bien sûr, la vie, c'était tellement aussi puissant que, il dit, mais c'est pas possible. Ils se sont approchés pour entendre effectivement si les gens balbutiaient, ils ne balbutiaient pas, ils disent, mais c'est pas possible. On les entend parler des merveilles de Dieu dans nos langues maternelles. C'est à ce moment-là que Pierre se leva. Pour montrer l'importance des saintes écritures, de ce que Dieu veille sous sa parole. Il dit, c'est ici ce qui a été dit dans Joël. Gloire à Dieu. Il pensait que les paroles de Dieu étaient déjà du passé. Non, monsieur. Dieu est toujours du présent. Et ce qu'il a déclaré, il veille sur cela. Oui, monsieur, même si les centaines d'années là avaient parlé, il veille sur cela pour l'accomplir. En son temps, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'il dit, mais, ah bon, oui. Joël l'avait dit, vous avez oublié, il dit, mais Dieu l'a dit, pas Joël, dit, mais dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà l'ouverture, en fait. C'est cela qu'effectivement, il dit, mais c'est ce que vous voyez. Et puis, voilà maintenant comment il rentre pour maintenant démontrer l'important, cette parole, effectivement, divine de Dieu que nous avons eu à pouvoir lire dans psaume 16, que notre frère a lu tout à l'heure, et verset 10, effectivement, pour démontrer pourquoi aujourd'hui vous pouvez voir ce que vous voyez et vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Et c'est pour quelles raisons cela peut se passer aujourd'hui. Donc, dans l'acte chapitre 2, regardez très bien. Alors, il prend la parole. Ici, au verset suivant, on dit donc, nous disons, verset 16, il dit, écoutez très bien. Mais donc, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront donc des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Vous entendez cela? Il dit bien, dans ce, c'était pas au moment où effectivement, Joël prophétisait. Non! Pas à ce moment-là, c'était seulement sur les prophètes, effectivement. Mais ce n'était pas encore sur le peuple, non. Parce qu'il fallait que quelque chose soit fait. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit... Non, Dieu est parfait. Il fait chaque chose vraiment en son temps. Mais c'est nous qui ne voyons pas tellement très bien. C'est nous qui ne sommes pas patients. Dieu est patient. Parce qu'il a un but à atteindre, mon frère et ma soeur. Oui, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. C'est vrai. Nous sommes là, frères et sœurs, nous ne devons pas écouter la parole de Dieu comme les catholiques, les protestants, nous devons écouter la parole de Dieu comme étant des fils et des filles de Dieu, pour l'amour du Seigneur. Nous devons être des peuples assez différents. On écoute différemment, on entend différemment, on est dans la joie différemment. Et bien sûr, mon frère, bien sûr, ma sœur.
Ça devait être quelque chose qu'on entend, dit, mais ça rentre dans le cœur du Seigneur, merci. Oh là là, alléluia, donc tu savais déjà ça, quand tu as parlé ça, maintenant tu attendais ça. Seigneur, aide-nous à être patients. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on te dit que le Seigneur ne tarde pas la compétition, c'est pour moi, mais il use de patience. Afin qu'aucun ne périsse, mais que tout ça arrive à la repentance. Oui, quand tu es, une prophétie a été donc annoncée, elle ne va pas tarder. Elle va arriver. Mais pendant cette période-là, Dieu est en train de travailler pour t'ouvrir les yeux, pour que tu comprennes. Prends patience, effectivement, aussi, en fait, parce qu'il sait ce que l'homme, évidemment, aussi. Si Dieu est patient, que nous, nous sommes les fils et les filles de Dieu, nous devons aussi avoir cette patience. Vous ne posez pas la question de savoir, vous allez avoir patience, pourquoi? Parce que vous voyez en disant, moi je dois être patient. Mais si toi tu es patient, c'est-à-dire que Dieu, avec cette patience-là, tu peux aussi être patient à l'endroit de Frère Jonas. Il croit aujourd'hui, et vous voulez directement qu'il soit comme vous. Si c'est un enfant, si c'est un jeune qui croit, attention, s'il vient de croire aujourd'hui, jeune de la foi, vous ne pouvez pas qu'attendre qu'il fasse demain ce que vous, vous êtes déjà en crise déjà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la patience pour l'éduquer. S'il était un enfant de Dieu, il va être obéissant. S'il se révolte, alors il y a un problème. Vous comprenez? Mais on doit être patient avec la personne, lui donner des conseils, l'entourer, les conseils avec amour. Parce que c'est cela aussi que on attend aussi. Et alors, c'est ça, parce que nous devons avoir la patience, et cette patience doit être manifestée aussi à l'endroit des autres. Comme Dieu est patient, et sa patience se manifeste à notre endroit. Donc, il dit patience envers vous. Parce qu'il est aussi patient. C'est-à-dire que si nous sommes donc patients, c'est que, alors nous, retournons à la Sainte Écriture, on nous dit, comme des élus de Dieu. Vous vous souvenez encore? C'est ça dans Colossiens, quelque chose comme ça. Trois, quelque chose comme ça, je pense. Ça aurait bien aimé. Mettez-vous dans ta miséricorde, n'est-ce pas? La patience aussi. Et supportez-vous. Supporter quelqu'un, ce n'est pas que veut dire que faire un compromis avec la personne. Il marche dans une mauvaise voie. Vous ne marchez pas dans cette voie-là. Vous lui dites... Frère, si tu ne vois pas tellement très bien, on veut que tu comprennes que c'est comme cela. Sœur, si tu ne vois pas tellement très bien, c'est comme ça. Ça ne sert à rien de se révolter. Parce que ça ne va pas t'aider, toi. C'est pour ton bien. Alors, voilà. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans ce qu'il fait. Parce que vous voyez, le mauvais esprit influence beaucoup plus. Oui. C'est quand quelqu'un a un mauvais esprit, il aime tellement imposer. C'est-à-dire que on lui donne des conseils, non, il se croit toujours qu'il est supérieur. On a beau lui dire, effectivement, il se croit qu'il connaît mieux et qu'il veut vous montrer. En fait, le problème, c'est que les démons ont déjà pris place, effectivement, dans la personne. Mais vous, quand vous avez l'esprit du Seigneur, vous savez comment agir. C'est-à-dire que, dans la patience, priez le Seigneur pour que le Seigneur se révèle à la personne. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ah, mais parce que j'ai dit au frère, le frère ne m'a pas écouté, mais j'ai dit à la soeur, je vois qu'il ne faut pas ce que moi j'ai dit. Ça, ce n'est pas un combat avec les gens. Ce sont des esprits, en fait. Vous aimez la personne, vous priez pour la personne, pour que le Seigneur accorde la grâce à cette personne, que les yeux s'ouvrent. Ah oui, c'est important, mon frère et ma soeur. Ne soyons pas dans le sens dans lequel Satan veut nous montrer. Directement comme ça, on voit et on condamne. Dieu ne nous a pas demandé de voir condamner les gens. Dieu nous a seulement demandé de pouvoir aimer et prier. Mais vous aussi, quand même, si vous voyez que la chose n'est pas bonne, n'attendez pas seulement pour que les gens vous comprennent. C'est quand vous faites une remarque comme ça, vous commencez à pouvoir monter en chocotine, comme on dit effectivement, pourquoi on a dit non. Voyez, si la chose n'est pas conforme, quand la personne ne sait pas se détacher, priez pour la personne. Aimez cette personne. Entourez la personne. Si cette personne est de Dieu, elle va changer. Si elle n'est pas de Dieu, elle va fuir. Ah oui, parce que Satan ne peut pas résister là où il y a l'amour, parce que l'amour ne veut pas dire compromis avec les erreurs. Parce que l'amour corrige.
c'est-à-dire la vérité. Donc ça, c'est vraiment bon, et ça, ce n'est pas bon, mais tout en ayant effectivement aussi des sentiments. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi, effectivement, parce que quand on arrive à pouvoir avoir des sentiments charnels, à ce moment-là, c'est la guerre qui commence. Ah oui, il faut toujours qu'on n'oublie pas ce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Alors pour que moi je domine sur les démons, je dois être plus fort que les démons. Je dois être au-dessus des démons. Je vais mettre dans les sentiments des démons, mais avoir les sentiments que... Donc, alors ici, il nous dit effectivement cela. Non, nous avons voilà, chapitre 2. Il dit, mais c'est ici donc, ce qui a été dit dans le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, j'ai lu cela, verset donc 18, j'ai lu, oui, si mes seigneurs servants, dans ce jour-là, je répandrai donc de mon esprit et ils prophétiseront. Vous comprenez cela? À l'époque, c'était toujours les prophètes, non? Dans l'Ancien Testament, autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, avec l'ainsi par l'Éternel. Vous vous souvenez? Mais ici, maintenant, il a démontré maintenant que les choses vont changer. Il a annoncé ça dans Joël depuis longtemps. Et puis, au temps marqué, Dieu l'a accompli ce jour-là. Et puis, il dit, verset 13, il dit, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le Seigneur sera donc sauvé. » Verset 22. « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. » Vous voyez maintenant comment il revient? Vous suivez? Amen. Il place quelque chose qui est vraiment important et central pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que, à ce temps-là, maintenant, Dieu a fait ce qu'il vient de faire, qu'on voit dans les hommes, alors que dans les temps, on ne veut pas voir cela. Qu'on puisse voir dans les hommes et les femmes, effectivement, être remplis de l'Esprit du Seigneur. Et qu'il puisse aussi parler des merveilles de Dieu, faisant ces hommes-là debout, on voit que Dieu est en action. Ça, on le voyait sur Élie, sur Élisée, d'autres, mais pas dans le peuple comme ça. Non, le peuple était dans le parvis. Est-ce que vous suivez? Il y avait le parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Dans les lieux très saints, seul souverain sacrificateur peut entrer. C'est là que la gloire de Dieu descendait, effectivement. Oui, c'était différent. Il était loin, effectivement, vous le savez cela. Mais là, quand on voit ces hommes ici, ce peuple qui devait être dans le parvis, mais là, ils sont dans les lieux très saints. Oui, monsieur, dans la présence de Dieu, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Donc, le voile séparait les lieux saints très saints. Oui, monsieur. Oui, madame, ça s'est déchiré. Maintenant, nous sommes revêtus pour entrer dans les lieux très saints. Être dans sa présence. Oui, monsieur. C'est ça que quelque chose qui ne pouvait même pas penser par l'esprit des hommes. Parce que le peuple était toujours dans le parvis. Vous n'aurez jamais vu le peuple entrer dans le lieu saint. Alors le lieu très saint, monsieur, là encore c'est autre chose. Mais là, maintenant, Dieu soit béni, ce peuple peut entrer dans le lieu saint parce qu'il a été sanctifié. Maintenant, passant dans le lieu saint où il était sanctifié, il peut passer dans le lieu très saint parce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Le peuple, monsieur, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, le peuple, monsieur, gloire à Dieu, pas les sacrificateurs, mais le peuple, monsieur, alléluia, du parvis, du lieu saint et du lieu très saint, alléluia, que Jésus soit béni. Ah, quel bonheur d'avoir ce Jésus. Il a changé le cours de l'histoire, mon frère. Oh, que son nom soit béni. Il marchait simplement, il était méprisé, mais il faisait l'histoire. Alléluia! Gloire à Dieu! Que son nom soit béni. C'est pourquoi au nom de Jésus, tous genoux fléchirent. Frères et sœurs, nous jouissons de la liberté parce que Jésus est venu. Ah oui, il a dit, mais l'Esprit Seigneur est sur moi. Il me met pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Pour apporter quoi? La délivrance. La liberté, la délivrance, la liberté aux captifs, c'est vrai. Amen. Eh oui.
C'est merveilleux. Comme nous pouvons dire, frère, si nous pouvions nous rendre compte de ce que c'est Jésus est pour nous. Comme mon grand chanté, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Vous savez cela, non? Ça ne veut pas le raconter. C'est tellement grand. Il faut que nous puissions réaliser que vraiment, il a fait. Quand il s'est tenu à la croix, il ne faillit. Il a chanté aussi tout à l'heure. Et il ne faillit jamais. C'est ça, non? Il ne m'a jamais déçu. Et, il ne pourra jamais faillir non plus. Jamais, hein? Il ne pourra jamais faire une chose à moitié. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. Vous comprenez? Tout ce qu'il fait est parfait. Donc quand il était à la croix, il a dit tout est accompli. Donc pour toi et pour moi, c'est fini. Oui, monsieur. Parce qu'il ne peut plus retourner mourir encore pour toi. Par une seule offrande. Amen. Une seule fois. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a amené la perfection. Amen. Non, mon frère, ma soeur, tu peux pas être imparfait. Non. C'est pas possible. Amen. Non, quand tu es de Dieu, tu dois arriver à la perfection. Amen. Parce qu'il s'est offert une fois pour ta perfection à toi. Amen. Voilà pourquoi il dit, mais soyez donc parfait. Si c'était pas possible, il n'allait pas le dire. Mais il l'a dit. Pour que toi, aujourd'hui, tu marches, même quand tu as quand même des faiblesses, des combats, dis, Seigneur, tu l'as dit. Je ne me repose pas sur moi-même. Parce que moi-même, effectivement, je ne vaux rien. Mais je me repose sur ce que toi, tu as dit. Alléluia! Si tu l'as dit, tu vas l'accomplir. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas. Vous savez, j'ai dit toujours, gloire à Dieu. Quand il se met ici, il continue. Ah, j'ai dit, s'il achève par là, gloire à Dieu. J'attends toujours là, là, là. Puis, et puis on voit, il va. Puis j'ai dit, hey, que Dieu le bénisse. Et puis, oh, il est bon. J'ai dit, alléluia. Est-ce que vous comprenez quand vous chantez ça, frère? Que tu te sens bien quand tu es assise comme ma soeur Marie-Chantal assise à côté de la soeur Angela. Il dit qu'il est bon de m'asseoir à côté de ma soeur Angela. Je ne connaissais pas Angela. Mais Dieu me l'a donné comme soeur. Je ne connaissais pas Marie-Chantal. Mais Dieu m'a donné frère et soeur. Donc tu t'assieds là quand tu chantes, tu regardes à côté, tu dis tu es Dieu. C'est pour ça, frère, il ne peut pas avoir d'animosité parmi nous. Non, seul amour de Dieu, frère. Quand je regarde ce qu'il a fait pour moi, je n'avais pas de frères, je n'avais pas de sœurs. Mais il m'en a donné. Ils ont des défauts, mais ils sont mes sœurs. Alléluia. Ils ont des défauts, mais ce sont mes frères. Oui, monsieur. Oui, madame. Alléluia. On comprend quand on chante, qu'on ne répète pas seulement des paroles, mais on exprime ce que nous avons comme reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur. Oh, qu'il est bon. Ou des frères, et demain ensemble, car c'est là, et Dieu descend. Ah, diction, bon danse. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, mon frère. Oh, ça fait vraiment autre chose. Qu'il est bon. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier.